Bah, l'idée du cercle d'excellence RH, c'est de promouvoir la fonction RH, pas seulement dans le petit club des ressources humaines, mais plus largement dans le grand club du business, d'en faire vraiment un business partner. Oui, l'idée, c'est que dans les conseils d'administration, il y a maintenant deux grands comités. Le comité d'audit, qui est réservé aux financiers, et puis on a un autre comité qui s'appelle parfois gouvernance, nomination, rémunération, qui prend beaucoup d'importance parce que c'est là qu'on traite finalement tous les sujets, pas seulement de RH, mais d'organisation. Et ça devient quelque chose de très important. Et nous pensons que les DRH sont très qualifiés pour siéger ou présider dans ces comités, pas seulement dans leur entreprise, mais surtout dans d'autres entreprises. Je pense que la première, parce que les choses vont très vite et que personne ne sait tout, c'est l'authenticité, en premier, je pense. Et puis après, il y a bien sûr l'écoute, le charisme, mais il y a beaucoup autour de cette simplicité dans la relation, authenticité, pour favoriser l'intelligence collective.